Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme. Vérité et réalité, 55e épisode. Que le Seigneur vous garde dans sa grâce immense. Aujourd'hui, notre sous-thème sera parmi la trentaine de Coran, lequel est-il le vrai? Première partie, parmi la trentaine de Coran, lequel est-il le vrai? Première partie. C'est avec le secours de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même par le Saint-Esprit, et toutes nos églises, la bonne voie, et nos collaborateurs, Royaume Vie, Média, Radio JLC, sans oublier mon épouse Maïmouna, la plus belle. Alors, des dizaines de différents Corans ont été écrits dans le 8e et le 9e siècle. Les musulmans disent que le Coran est la parole de Dieu et qu'elle est éternelle, elle n'a jamais été changée, elle est complète. Mais c'est ce que nous allons voir à la fin de cette courte vidéo, de cette première partie. Je vais donc montrer une liste des auteurs et on va voir en deuxième partie les variantes avant de conclure cette première partie. Donc voici déjà une liste de différents Corans uniquement en arabe, sans traduction. Al-Soussi, Abi Jafar, Yaqub, Dori, Ibn Amr, Khalaf, Al-Lat, Ibn Khalid, Wash, premier, Wash, deux fois, Wash a écrit deux différents Corans, Ibn Jamaz, Dori également, deux fois, Al-Kesaï, Khaled, nous avons Shoba aussi également, et Hisham ibn Amar, Al-Kesa, encore, Al-Kesa. Nous avons encore une fois Ibn Kathir, cette fois-ci, ce n'est pas le commentaire, mais c'est le Coran. Alors, maintenant, la liste continue, c'est une trentaine, on ne va pas tout lire. Donc, on va rentrer dans les variantes entre les différents Corans. On va citer quelques exemples. Hasfa, quand je dis Hasf, vous vous souvenez de Hasfa, c'est l'une des épouses de Muhammad. Donc, Abou Bakr a fait une première compilation du Coran et il a tout confié à Hasfa. Et donc, c'est Hasf. Et la deuxième compilation a été faite par Outhman 20 ans après. Mais, donc, on va y arriver. Donc, Hasf dit, première sourate, verset 4, Malik Yawmiddin, dit, l'unique maître du jour, le propriétaire. Wash dit, le roi du jour. Wash, c'est le Coran qui est familier, qui est beaucoup populaire en Afrique du Nord. Il dit, le roi du jour. Hasf dit, Malik Yawmiddin, il dit, l'unique maître du jour du jugement. Donc, est-ce que c'est le maître ou le roi? Le même verset. Deuxième sourate, verset 125. Hasf dit, te prendre. Et Wash dit, ils t'ont pris. Qu'est-ce qu'il faut croire? C'est te prendre ou ils t'ont pris? Deuxième sourate, verset 140. Hasf, tu dis. Et Wash, ils disent la même référence, une si grande diversité. C'est tu dis ou c'est ils disent. Deuxième sourate, verset 184. Hasf, une personne pauvre. Et Wash dit plusieurs personnes pauvres. Deuxième sourate, verset 219. Hasf, Kabir, grand. Wash, Kassir, beaucoup. C'est grand ou c'est beaucoup? La même référence, deux différents Corans, pas la même parole, grand ou beaucoup. Troisième sourate, verset 79. Hasf dit, tu enseignes. Et Wash dit, tu connais. C'est quoi?
Que devons-nous? Qu'est-ce qui est fiable? C'est enseigner ou c'est connaître? Ce n'est pas tous ceux qui connaissent qui enseignent. Troisième sourate, verset 146. Hasb dit combattu. Combien de prophètes combattus? Wash dit combien de prophètes ont été tués? Hasb dit combien combattus? Wash dit combien ont été tués? Katala ou Kutila? Wash dit Kutila. Hasb dit Katala. Qu'est-ce qu'il faut croire? Combattu ou tué? Là, on entre dans Kalima maintenant. Sixième sourate 115. Hasb dit parole, la parole. Et Wash dit les paroles. La remarque, c'est la parole au singulier ou ce sont les paroles au pluriel. Incroyable. Autant de variantes et différents auteurs, il n'y a pas qu'un seul Coran. Chers amis musulmans, non, il n'y a pas un seul Coran, il y a des Corans, une trentaine de Corans au moins. C'est incroyable, mais c'est vrai. Voilà. Je vais dire tout de suite que c'était Abou Bakar en 632 ou 634 qui a fait la compilation et la remise à Hafsa. 20 ans après, Outhman est venu, 652, et a détruit une grande partie de la première partie donnée à Hasfa. Bon. Maintenant, je vais dire, tout ça fait que le Coran n'est pas seul. Il y a plusieurs Corans. Mais viens dans la Bible. Tu vas voir que la Bible, c'est deux fois la parole de Dieu. La parole écrite et la parole vivante, personnifiée en la personne de Jésus. Elle est éternelle. Elle est complète. Elle est inchangée. Jésus ne change pas. Sa parole ne change pas. Viens donc à Jésus, cher ami musulman. Dieu te sauvera par le canal de ton Seigneur Jésus-Christ. Shalom.